Et maintenant, les amis, nous allons entourer les images dans lesquelles j'entends le son i. C'est quoi la première photo? Ah oui, c'est une tétine. Est-ce que j'entends i dans tétine? Ah oui, très bien. Donc, je vais entourer la tétine. Très bien. Maintenant, deuxième photo, c'est quoi? C'est un soldat. C'est un soldat. Est-ce que j'entends i dans soldat? Pas du tout. Donc, est-ce que je vais entourer le soldat? Pas du tout. Je passe à la troisième photo. C'est quoi? C'est un pirate. Très bien, c'est un pirate. Est-ce que j'entends i dans pirate? Ah oui, très bien. Donc, je vais entourer le pirate. Et ça, c'est quoi? Sapin. Est-ce que j'entends i dans sapin? Pas du tout. Et ça, c'est un pilote. Ah oui, très bien, j'entends i dans pilote. Très bien, donc je vais entourer le pilote. Et ça, très bien, c'est une girafe. Et j'entends i dans girafe, donc je vais entourer la girafe. Et ça, c'est un lit. Et c'est vrai, j'entends i dans lit. Voilà, j'ai entouré le lit. Et ça, c'est une tomate. Il n'y a pas de i dans tomate. Très bien. Ça, c'est une banane. Aussi, je n'entends pas i dans banane, donc je ne vais pas entourer les bananes. Et ça, c'est un hippopotame. Ah, très bien. J'entends i dans hippopotame, donc je vais entourer l'hippopotame. Ça, c'est quoi? C'est un sac. Très bien. Et je n'entends pas i dans sac, donc je ne vais pas entourer le sac. Une bougie, très bien, excellent. Voilà. Et j'entends i dans bougie. Biberon, très bien aussi, j'entends i dans biberon. Très bien, très bien. Et ça? Abricot, très bien, j'entends i dans abricot. Excellent. Et ça? Très bien, c'est un tigre. Et j'entends i dans tigre, donc je vais entourer le tigre. Et voilà, on a terminé.